late por las venas, es agua pura que me corre por la piel. Es como venas en una galaxia entera, ella está allá en mil colores, hay mil pueblos en su piel. Tu sais bien que je n'ai jamais fait de mal à personne. Écoute, j'ai failli mourir quand je t'ai vu tomber par terre. J'ai cru que tu étais mort. Pardonne-moi, je t'en prie. Pardonne-moi, j'ai tellement honte de t'avoir fait ça. Ça me fait tellement souffrir de te voir comme ça. Dis-moi que tu me crois. Vivi, qu'est-ce qui s'est passé? Vivi, pourquoi tu m'as frappée? Tu sais pourtant que je t'aime. Je ne sais pas comment te faire comprendre que je t'aime et que j'ai peur de te perdre. Pourquoi tu m'as frappé, hein? Aïe! Reste sur toi, arrête de bouger. Du calme, du calme. Ne bouge pas, d'accord? Ne bouge pas. Oh, j'ai tellement honte de ce qui s'est passé, si tu savais. Non, ma Vivi, non. C'est moi qui ai honte. Parce que je ne veux pas comprendre que tu ne m'aimeras jamais comme j'aimerais que tu m'aimes. Pardonne-moi. Je ne voulais pas te faire de mal. Parce que je t'aime tant, ma Vivi. Je te le jure. Oh, je t'ai fait une promesse et... Je te la répète. Je vais faire tout ce que je peux. Mais j'ai besoin de temps, tu vois. Laisse-moi du temps. Puis je ferai tout ce que je peux pour te faire plaisir. Je t'aime. Ré, mon petit, oh mon chéri. Oh mon petit, comment vas-tu? Qu'est-ce qui s'est passé, Ré? Comment t'as... Alors mon chéri, comment vas-tu? Bien, vous voyez que la mauvaise herbe, ça repousse. Ah, mon chéri, tu es si beau. Ré, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Ré, mais quoi? Qu'est-ce qui lui arrive? Et toi, tu as encore le culot de demander ça? Emma, je t'en prie, ce n'est ni le lieu ni le moment. Ça suffit, maman, s'il te plaît. Pas de dispute pour ça. C'était un malentendu. Ce que je souhaite le plus au monde, c'est que tu ailles bien. Parce que moi... Miguel, Isabelle, Ré a enfin repris connaissance. Il a parlé, il va s'en remettre grâce à Dieu. Bien, je vais le voir. Oui. Reste ici, Isabelle. Grâce à Dieu, mon petit-fils va s'en sortir, Isabelle. Grâce à Dieu, il y a San Barbara, Madame Bernarda. Tout va s'arranger. Tout. Alors, vieux brigand, comment tu te sens? Eh bien, j'ai mal à la tête. C'est comme si je m'étais pris une méchante cuite en buvant de l'essence. J'ai la gueule de bois. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Comment est-ce que tu t'es fait cette entaille? Je ne sais pas encore. Viviana n'allait pas bien, elle s'est sentie menacée, alors... J'imagine qu'elle a eu peur et elle m'a fait ça. Mais je lui reproche rien, Miguel. Elle était très fatiguée. Je suis désolé. On fait une trêve? Tu ne vas quand même pas profiter de ma convalescence pour continuer à me faire la guerre. Non. La convention de Genève interdit de faire ça. Alors tu peux dormir tranquille. Tu sais quoi, Miguel? Elle aurait pu me tuer, j'ai eu de la chance. Et au lieu d'être dans ce lit, je pourrais être entre quatre planches. Cette situation me fait penser que... je ne prends pas la vie comme je devrais. Faisons la paix, Miguel. D'accord? Tu parles sérieusement? Ou c'est parce que le coup t'a trop remué la tête? Je te parle très sérieusement. Je ne veux pas perdre mon grand frère. Ça marche? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a, Ray, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? T'es encore tombé dedans. Encore deux points pour moi, Rikini. Où es-tu, ma chérie? Oh, ma petite fille, ma Vivi. T'inquiète pas, mon amour. Oh, maman, c'était un accident. Je voulais pas lui faire du mal, je te jure. Oh, oui, je sais, ma chérie, tout va s'arranger. Mais tu dois commencer par te calmer, mon Dieu. Tranquille, calme-toi. Golando,
Il faut que tu me dises ce qui s'est passé et comment va Raimundo. Ça va aller, Gaëtan. Il souffre d'une forte commotion suite au coup qu'il a reçu, mais rien de plus que ça. Il va bien? Oui. Maman, je te jure que c'était un accident. Le problème, c'est que je ne savais pas quoi faire. C'est pour ça que je l'ai frappé. Je sais, ça va aller, ma chérie. Tout le monde sait que c'était un accident. Tout va s'arranger. Mais s'il te plaît, calme-toi, d'accord? Allez, ma chérie, ça va aller. C'est fini, c'est fini. Mais enfin, t'es complètement folle. Qu'est-ce qui te prend? Hannibal, n'en rajoute pas, s'il te plaît. Ta sœur a eu un grave problème et elle est encore sous le choc. Alors tais-toi. Ne dites pas ça, Madame Bernarda. Écoutez, les meilleures familles ont des mauvaises passes. Mais la solution que je connais, enfin, celle que j'ai vécue avec ma famille, c'est qu'il faut rester unis, bien se soutenir, s'aimer, et puis tout s'arrange. Oui, je sais. Je te l'ai déjà dit tellement de fois. Le problème, c'est que je... Correction. Miguel et moi, nous avons de la culpabilité vis-à-vis de Rodolfo depuis des années. Et c'est pourquoi, tous les matins, nous recommençons à souffrir. Et quand nous sommes dans une situation comme celle-ci, je suis très inquiète. Et je sens que ma famille peut se désunir. Peut-être que si je n'étais pas entrée dans vos vies... Oh, mon Dieu, Isabelle, n'assume pas des responsabilités qui ne sont pas les tiennes. Quand tu as franchi la porte de ma maison, tu y es entrée avec ta joie de vivre, le sourire à David et votre tendresse. Non, Isabelle, toi, tu nous as apporté de l'espoir. Non, Madame Bernarda. Vous me dites ça pour pas que je me sente mal, mais... Mais c'est vrai, le petit David, mon petit rayon de soleil, il égarait la plus triste des vies. Mais parfois, vous savez... Je sens comme un poids ici, dans mon cœur. Comme si tout était un mauvais rêve, et puis... Et en me réveillant, tout ce que je veux, c'est être chez moi. Eh bien, chez moi, comme quand j'étais petite. Et tout oublié. Oh, Isabelle. Tu es une jeune femme très forte et pleine de courage. Alors ne laisse jamais rien, ni personne t'enlever ça. Il faut suivre ton cœur et ta conscience, c'est tout. Oui, j'essaye de le faire, Madame Bernarda. Mais c'est difficile. Très difficile. Vous ne vous êtes pas dit que Raimundo pourrait accuser Viviana de violence? Tais-toi! Tu imagines un procès avec les Aristigueta, maman? Oh, Hannibal, il n'y aura jamais de procès avec qui que ce soit! C'est un accident, la petite était sur les nerfs! Maintenant, on va faire une réunion familiale, on va trouver un accord ensemble et on va prendre une décision! Voilà exactement ce qu'on va... Pas question, on ne fera pas de réunion. C'est un problème entre mari et femme. Et ce problème ne se résout qu'avec l'amour, en douceur, sans que personne ne s'en mêle. Oh, Gaëtan, s'il te plaît! Il y a des amours violents. Et Viviana a été un cheveu de se retrouver veuve. Tais-toi, Hannibal, s'il te plaît. Commence pas à t'énerver, sinon moi aussi tu vas me frapper. Non, c'est moi qui vais te frapper, mon chéri. Si tu ne lui fiches pas la paix, ça va mal se passer. C'est moi qui vais te calmer. Bon, ça suffit, arrêtez de vous disputer. La famille n'est pas faite pour ça. La famille est faite pour se soutenir, pour s'entraider, pas pour se disputer. Tais-toi, Hannibal. Gaëtan, encore une fois, vous réagissez comme si vous étiez mon père. Allô? Viviana? C'est Climaco. Ah, salut. Je t'appelais pour savoir comment tu allais et pour te souhaiter une bonne nuit. Bon, je sais que c'est stupide d'appeler pour ça, mais... Non, ça n'a rien de stupide. Il s'est passé quelque chose. Et je me sens mal. C'est à propos de Ray. Et j'ai besoin de toi, Climaco. Miguel, dis-moi la vérité. Comment a réagi Raimundo quand il t'a vu, dis-moi? Il va s'en remettre, hein, n'est-ce pas? Oui, il va s'en remettre. Il est toujours en observation, mais il va s'en remettre. Tu sais, je crois que j'ai retrouvé mon frère. Le blagueur, le rigolo, qui a toujours envie de vivre. Il m'a juré qu'entre nous, il n'y aurait plus de querelles. Alors, tu te sens un petit peu mieux? Par rapport à Ray, oui. Peut-être qu'un jour, on redeviendra complice comme on l'était. Tu sais, j'ai découvert, en croyant que... Eh bien, en croyant qu'il n'allait pas s'en remettre, que... Que je suis un peu comme...
Je me sens un peu comme un père pour Raimundo. Tout va s'arranger, Miguel. Et tu vas voir que dans quelques jours, vous allez recommencer à vous chamailler et à vous faire des petites blagues. Mais bon, il faut que j'y aille, je dois aller voir David. Non, 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 Isabelle, s'il te plaît, reste encore un peu. Toi et moi, on a des choses importantes à se dire. Miguel, maintenant la seule chose importante, c'est que tu ailles voir et que tu rassures ta maman et Madame Bernarda. Tu dois essayer de souder ta famille, comme tu l'as déjà dit. Tu dois retrouver Raimundo et ta famille. Papa, papa, on est là. Comment va Ray? Ma petite chérie. La petite a tellement insisté pour voir Ray, pour retrouver son papa. Ah, mon amour, mais tu as l'air exténué. Viens là, on va s'asseoir un peu. Viens, assieds-toi là, à côté de ta fille. Hein? Notre petit bonheur. Ça va? On va faire plaisir à papa. Allez, arrête ton cirque. Je sais que tu fais du cinéma pour faire peur à Viviana. Écoute, tu es peut-être nul en tout, mais en tout cas, tu es un immense acteur. Et comment ça, nul en tout? C'est pas vrai. Et acteur, tu crois que c'est du cinéma, ça? Viviana m'a frappé autant qu'elle le pouvait et de toutes ses forces. Elle a voulu me tuer, Hannibal. Elle m'a laissé inconscient et allongé par terre. Oui, mais ça n'aurait jamais dû arriver, car tu es gentil. Ah, c'est vrai que maintenant, je suis le gentil dans l'histoire. Et c'est grâce au remords de Viviana que je me rapprocherai d'elle. Et je me suis réconcilié avec mon grand frère. Ah... Je suis un amour. Je suis un amour. C'est pas vrai? Il faut savoir tirer les leçons des coups durs de la vie, Hannibal. Papa chéri, ne sois pas comme ça, ça me donne envie de pleurer. Non, ma petite puce, tu n'as pas de raison de pleurer. Tonton Ray va beaucoup mieux. Ton papa va bien aussi, mais il est un petit peu fatigué. Mais ça va, hein? Tonya, arrête de bouger, de danser comme ça, tu me donnes le tournis. Tonya, arrête, tu sais bien que je m'inquiète pour Climaco, ma chérie. Il est allé voir cette fille-là, Viviana, tu imagines ça? Et je ne veux pas qu'il lui arrive quoi que ce soit à mon fils. Et je danse, danse. Tonya, enlève ces trucs de tes oreilles, sinon on ne peut pas se parler. Oh non, enfin, ne sois pas comme ça, Trini. Je fais beaucoup d'efforts, tu vois, j'essaie de faire tout bien. Mais si tu crois que c'est facile, regarde, chanter, danser, être souriante, tout ça en même temps, non, ma fille, non? Mais c'est juste que tu ne m'écoutes pas, je suis en train de te dire que je m'inquiète pour Climaco, ma chérie. Oh, ah, c'est que je pensais que... Non, ma chérie, aujourd'hui, ça a été une dure journée. D'abord, la dispute avec Gaëtan. Et maintenant, mon pauvre fils Climaco, qui n'arrête pas de courir après cette fille Viviana, et ça va mal finir. Non, 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 ça va. Ça va, du calme, ça va aller. Qu'est-ce qui s'est passé avec le Portugais? Eh bien, rien, j'étais sur mon petit nuage, et je pensais à cette vieille chanson qui dit que 20 ans, ce n'est rien. Et ton charmant petit nuage s'est envolé. Et tu es tombé de haut. Mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal, hein? J'étais enfin prête à dire la vérité à Raimundo. Je voulais être sincère avec lui et ne pas lui faire de mal. Ni à lui, ni à personne. Est-ce que mon destin, c'est d'être mariée à quelqu'un que je n'aime pas? Viviana! Viviana! Quoi? Qu'est-ce que tu fais ici, toute seule? Oh, non, non. Rien, rien. J'avais envie de sortir de la clinique parce que je me sens pas bien. Tu comprends, j'étouffe, j'ai besoin d'air. Eh bien, moi, je dois y aller, mais je ne veux pas te laisser ici comme ça, hein? Non, non, vas-y, ça va aller. Bon, s'il t'arrive quoi que ce soit,
tu m'appelles parce que tu peux compter sur moi, ok? Oui, merci. Ciao. Ciao. Climaco. Viens là, viens là, viens. Viviana, pardonne-moi. Pardonne mon imprudence et ma franchise, mais c'est que... Comme je sais que tu vas mal, je veux pas rester sans rien faire. Dis-moi ce qui s'est passé, comment va Ray? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, c'est affreux, j'ai failli le tuer. Je ne sais plus ce que je dois faire. Je n'en peux plus, je suis désespérée. C'est vrai, je t'assure, je sais plus quoi faire. Je suis désolée de te le dire, mais je n'aime pas du tout ce qui se passe entre Viviana et Raimondo, ma chérie. Et je le pense sérieusement. À mon avis, c'est très bizarre tout ce qui s'est passé, parce que ma fille n'est pas une habituée de ce genre de situation. Eh bien, pour quelqu'un qui n'est pas habitué, comme tu dis, à ce genre de situation, elle tape plutôt fort. Parce que je ne sais pas si tu es au courant, Nena, de toute cette histoire, mais le coup a été donné par Viviana à Raimondo. Non, ma chérie, n'exagère quand même pas. C'était un accident. Accident ou pas, Nena, je soupçonne que tout ce qui est arrivé à cause de la jalousie. Mais enfin, qu'est-ce qui arrive à Raimondo, Emma? Il faut l'éduquer, ce garçon. Enfin, il ne se calmera donc jamais, même après le mariage. Je plains ma fille, sincèrement. Ah, Nena, Nena, Nena. C'est Raimondo qui est jaloux. Parce que, au cas où tu l'ignorerais, mon fils aime ta fille. Et c'est pour ça que j'ai de très sévères soupçons. Et à mon avis, le problème vient de Viviana, pas de Raimondo. Et maintenant, est-ce que ça va mieux? Raconte-moi ce qui s'est passé. Viviana, n'aie pas peur, parce que tu sais très bien que je suis ton amie. Oh, j'ai fait une bêtise. Je n'ai pas su gérer les choses. Je sais que j'ai promis à Ray, et surtout je me suis promis à moi-même, que j'allais essayer, mais je ne peux pas. Je ne peux pas, et tout s'est passé si rapidement. Tout d'un coup, je suis devenue folle et je l'ai frappée avec un truc sur la tête. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Assumer le fait que je me sois mariée avec lui. Assumer que je ne sois plus une petite fille et que j'ai des engagements à tenir. Je suis son épouse. Non, sois tranquille. J'ai compris et ce sont tes choix. C'est difficile, mais je sais que les choses sont ainsi. Seulement, je crois, Viviana, que toi et moi, on est comme deux lignes dans l'espace qui s'entrecroisent et s'entremêlent, mais qui ne peuvent pas fusionner. Il faudrait bien que je me fasse à l'idée que l'amour n'est pas pour nous. Ou en tout cas, pas pour nous deux. Pas ensemble. Mais le gars qui est face à toi... Ce qu'il souhaite de tout son cœur, c'est que tu sois heureuse. Vivi! Vivi, ma chérie, où es-tu? Vivi, où es-tu, ma chérie? Je suis très inquiète! Vivi! Je crois que mon petit quart d'heure est fini, Viviana. Et... Tu as ta famille qui t'attend. Bon, ne commence pas à pleurer parce que... Tu dois comprendre que Viviana n'est pas pour toi.
Je vais prendre un thé. Bonsoir, Madame Bernarda. Isabelle, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Ma famille, la famille que j'ai besoin d'unir, la famille que je veux récupérer, la famille de Miguel Aristigueta, d'aujourd'hui et pour toujours, c'est Valentina, David, toi et moi. Ça serait l'idéal, Miguel. Et si je ferme les yeux, je le vois. Je vois du bonheur et de la douceur. Mais quand je les ouvre, je te vois toi, ici, dans cette maison, avec ta fille et ta famille. Et alors, je me rends compte que tout ça, ce n'est qu'un rêve pour moi. Mais inaccessible. Peut-être parce que je suis arrivée trop tard, ou peut-être parce que nous n'avons plus le temps. Isabelle. Isabelle, c'est notre rêve. Et il se réalisera. Et si ce n'est pas encore le moment, alors provoquons-le, cherchons-le, mais ensemble, Isabelle. Toi et moi, ensemble. On doit tout faire pour vivre notre bonheur. Bon, je vais prendre une douche et après on va faire un tour chez Trinidad. C'est ça, c'est ça. Allez, allez-y. Qu'est-ce qu'il y a, Florent? Florent, dis-moi, mon vieux, mais pourquoi tu fais une tête de mort-vivant? J'en connais un autre. Et je crois que vous ne devriez pas aller rendre visite à Trinidad. Écoute, Florent, arrête ton langage sibyllin parce que tu sais que j'aime pas ça. Il faut que j'aille voir ma petite Trinidad parce que j'ai beaucoup de choses à lui dire. Par exemple, que dans très peu, mais très peu de temps, je serai un homme libre. Elle est au courant de tout, chef. Ne lui racontez plus d'histoire. Comment ça, elle sait tout? Et qu'est-ce qu'elle sait exactement? Elle sait que je suis un homme libre? Mais comment? Non. Non, ce n'est pas ça qu'elle sait. Elle vous a vu avec votre épouse. Hein? Oui, oui, elle vous a vu dans le bureau, dans une position inconfortable, très collée serrée, très chaude, vous voyez ce que je veux dire? Mais qu'est-ce que tu racontes, Florent? Florent, ne commence pas à faire des blagues ce soir, je ne suis pas d'humeur. J'aimerais bien que ce soit une blague, vous savez. Mais je rentrais et elle vous a vu et je l'ai vu aussi et je lui ai couru après. Écoutez-moi. La situation est devenue difficile. Elle vous a vu avec votre femme. Et évidemment, elle a pigé tout de suite. Elle allait vous dire que c'était vous, comment dire, le roi de son royaume. Vous voyez de quoi je parle? La situation est devenue délicate. Écoutez, vous savez ce qu'elle m'a dit. Que son cœur est mort. Et j'ai tout de suite compris qu'elle ne croit plus en rien. Ça me fait vraiment de la peine de vous dire ça, mais tout est foutu. Je crois que vous devriez laisser tomber. Qu'est-ce que tu es beau. Dedans tout comme dehors. Ne me rends pas la vie difficile, je t'en prie. Tu sais bien que si je t'avais rencontré à un autre moment, dans un autre endroit, ou si je n'étais pas la personne que je suis, tout serait si merveilleux. Vrai bonheur. S'il te plaît, Miguel, ouvre les yeux, comme moi je les ai ouverts. Et tu verras que ce n'est pas possible. Estar contigo es como estar perdido entre sombras y en mi nostalgia sumergido. Ah, mon enfant. C'est Isabelle qui a raison. Écoute-la et ouvre les yeux. Ce n'est le moment ni pour Isabelle ni pour Miguel. Même si ça fait mal, même si vous vous aimez. Mais c'est le moment de réconcilier la famille Aristigueta.
avec David, avec Isabelle. Il est temps de se battre, mon enfant. Il est temps de resserrer les liens de toute la famille. Parce que c'est comme ça que ça doit être. Ce n'est pas juste, grand-mère, non. Ce n'est pas juste. Non, mon chéri, ce n'est pas juste, je sais bien. Mais c'est comme ça. Hmm? Bonne nuit, grand-mère. Repose-toi bien, mon chéri. Me acaricio e imagino que me tocas como antes y quizás. Oui. Et si on essayait de surmonter notre tristesse en dansant, hein? Ouais, on va danser. Allez, t'es prêt? Hop, taquitiquetiquita, taquitiquetiquita. C'est bien, mon beau. Je peux entrer? Bien sûr, ma chérie, bien sûr. Entre, viens. Viens et assieds-toi. Je savais que David était déjà réveillé. Salut. Ouais. Pourquoi est-ce que tu pleures, Isabelle? Non. Non, ma chérie, ce n'est rien. Et toi, tu as bien dormi? J'ai fait un cauchemar. Ma chérie, mais tu aurais dû m'appeler. Je pensais que ton papa était resté ici avec toi. Non, il est allé à la clinique avec maman. Ah. Oh, t'es content, mon trésor. Oui. Ah, tu as déjà déjeuné? Parce que tu sais pas encore, mais je fais des crêpes. Délicieuses. Isabelle, je crois que maman va en Italie à cause de toi. Tu crois? Non. Non, Valette, non, je crois pas. Isabelle, je crois que mon papa, il est amoureux de toi, c'est vrai? J'ai besoin que tu restes encore un peu. Au moins jusqu'à ce qu'on surmonte le problème qu'on a avec Vivi. Je suis très inquiète pour mon gendre. Mais il va bien, il a reçu un coup sur la tête, c'est tout. Mais toi, bien sûr, tu as mis toute la responsabilité sur le dos de ta fille. Et comme elle est très sensible, elle est allée dormir dans la maison des Aristiguettes. Tu sais pourquoi, hein? Non. Parce que tu lui fais peur. Ah, ça suffit, Gaëtan! J'ai fait ce que j'ai pu avec Viviana! J'ai fait ce que je croyais être juste! Et tu as très bien réussi. Car ce n'est pas toi qui vas gâcher ta vie avec ce mariage bidon. Ça va, fiche-moi la paix! Je te tiendrai pour responsable de ce qui arrivera dans ce couple. À ta propre fille. Toi, tu as enlevé sa joie de vivre. Je sais qu'il s'aime, Gaëtan! Oui, bien sûr, il s'aime tellement que Raimundo est à l'hôpital. Fais-moi plaisir. Va voir la petite et regarde-la dans les yeux. Regarde-la bien dans les yeux. Et là, tu y verras toute sa tristesse et tout son malheur, et sans doute bien plus encore. Parce que ce qui arrivera à Viviana te pèsera longtemps sur les épaules. Gaëtan, arrête, arrête, par pitié. Elle est morte de fatigue. La petite chérie. Madame Aristiguetta. Ma femme. Oh, je suis endormie. Quelle heure est-il? Oh mon Dieu, j'ai mal partout. J'aurais pas dû dormir comme ça. Et toi, ça va? Comment tu te sens? Beaucoup mieux. Surtout que je me suis réveillée à côté de ma femme. Que j'ai enfin le plaisir de réveiller le matin. Oh, Ray, mon Dieu. J'ai honte. Vivi. Ne vois pas de mauvaises intentions derrière mes paroles. C'est très agréable de me réveiller à tes côtés. Tu prends soin de moi, tu m'aimes. Bon, je vais profiter qu'on soit un peu seul. Je voulais te demander, du fond du cœur, de me pardonner ma conduite, Vivi. J'ai failli te tuer et tu me demandes de te pardonner. Vivi, j'étais bourré. J'étais jaloux de Climaco et je ne savais plus ce que je faisais. Mais je te promets que ça ne se reproduira plus. Je veux que tu sois amoureuse. Et si tu ne veux pas, je vais pas te forcer. Mais en revanche, tu dois me promettre quelque chose. Une promesse? Et laquelle? Vivi, j'aimerais vraiment que tu me promettes
d'être ma femme jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et même au-delà, s'il existe un au-delà. Que ni Climaco ni personne d'autre ne s'interposera entre nous. Jure-le-moi, s'il te plaît. Bonjour. Estella ? C'est quoi que t'es en train de lire, là ? Mon Dieu, c'est pas possible. Tu savais que les Arabes pouvaient avoir 2, 3, 4 femmes ou plus s'ils peuvent les entretenir ? Hein ? Oui, viens voir ! Viens, c'est super intéressant ce livre, mon chou. Ah, tu sais quoi ? Parfois j'ai l'impression d'avoir des origines arabes parce que je suis certaine que un seul mari en même temps, ce n'est pas suffisant. Hein ? Tu crois ? Ah oui, regarde. Si j'avais le choix, je prendrais tout d'abord un milliardaire au cas où il y aurait une crise dans le pays. Et ensuite, peut-être je pourrais prendre un pauvre, mais par contre il faudrait qu'il soit beau, parce que pauvre et moche en même temps, je t'assure que je ne le supporterai pas longtemps. Et puis je pourrais prendre un intellectuel, oui, parce qu'il n'y a rien de plus divin et plus délicieux qu'une bonne conversation après les câlins. Et si elle-là m'envoie un garçon ardent et complaisant, je n'oserai jamais contredire mon propre Dieu. Tu sais quoi ? Tous se compléteraient entre eux. L'un compléterait l'autre, est-ce que tu comprends ? Non, moi ce que je comprends, c'est que cette lecture t'a rendu complètement folle. Tu crois, mon chou ? Moi ce que je crois surtout, c'est que tu n'as Dieu que pour Vivi. Non. Non, tu sais pourquoi ? Parce qu'elle est morte pour moi. Et pour toujours. Viviana, entre toi et moi, il y a quelque chose. Un sentiment sincère. Toi et moi, on ne s'est pas mariés juste pour voir ce que ça donnerait. Si, c'est vrai. Jusqu'à hier, ma vie était un échec. Mais à partir d'aujourd'hui, ma vie n'aura plus de sens sans toi. Si tu me quittes, Vivi, je meurs. Eh bien, Ray, je ne sais pas quoi te dire. Ne dis rien, Viviana. Je ne te demande pas de m'accepter dans ton lit aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Tout ce que je demande, c'est que tu me donnes une vraie chance d'atteindre ton cœur. Ne me quitte pas. Oh, et tout ce que je peux te promettre, c'est de... Eh bien, comme je te l'ai déjà dit, je vais essayer, je vais faire tous les efforts possibles pour que ça marche entre nous. Mais j'ai besoin de temps, Ray. Je suis catholique. Je suis catholique et tu vois, je crois au Saint-Sacrement. Et bon, je sais que avoir passé la nuit chez toi comme ça avant de se marier à l'église, c'est une erreur. Si personne ne vient se mettre entre nous, on aura le temps, je suis sûr, tu verras. Viens ici. Je veux te faire vivre mon rêve. Et entre mes bras, tu vas apprendre ce que c'est que d'aimer pour de vrai. Et ça, c'est ma promesse. Je te le jure. Fais-moi un bisou. Vivi, t'as confiance en moi. Crois-moi, s'il te plaît. Bien, je suis invitée dans sa suite 5 étoiles, mon chou. Oh, cet homme me tue, je vais mourir. C'est un vrai homme, il ne fait pas les choses à moitié. Oh, c'est un homme qui sait ce qu'il veut et personne ne peut l'arrêter. Attends. Alors, l'histoire du prince arabe que tu te serais trouvé et avec qui tu nous as bourré le crâne, c'était vrai ? Mais c'est vrai de chez vrai, bien sûr. Oh, cet homme est une oasis dans le désert. C'est un conte de fées à lui tout seul. Tu devrais voir le yacht qu'il a, mon chou. Regarde la bague qu'il m'a offert. Ah, il a rempli la maison de bijoux, de cadeaux. Ah, je m'imagine déjà à son bras, me promenant au Maghreb, faisant le tour de tous les pays arabes, montant à chameau et surtout me retrouvant côte à côte avec Caroline de Monaco et Britney Spears. Ah quoi ? Pourquoi tu ris ? Tu ne me crois pas ? Non, je te crois. C'est juste que pendant que je t'écoutais, j'étais en train de m'imaginer... un avenir quasiment comme le tien. Écoute, une baraque louée sur le bord de mer. Mais avec un réservoir d'eau, parce que là-bas, il y aurait de l'eau que 2 jours sur 7. Un bon petit scooter, mais avec un moteur bien puissant. Ah,
et surtout près d'un bar où mon père pourra passer tout son temps. Et j'aurai un lit comme ça, carré, grand et large, mais avec une moitié vide. Tu vas au travail, Isabelle ? Oui, ma chérie. Est-ce que tu vas voir mon papa ? Bien sûr. Pourquoi ? Quelque chose à lui dire ? Non, je voudrais que tu ne lui répètes pas ce que je t'ai dit, qu'il est amoureux de toi, ou il va me gronder. Ah, ah Valentina, qu'est-ce que tu racontes ? Tu sais, parfois, les grandes personnes ne savent pas toujours ce qu'elles disent ou ce qu'elles ressentent. Hein ? Alors ne pense plus à toutes ces histoires. Oh ! Maintenant, la chose la plus importante, c'est que ta maman et toi, vous restiez ici, dans ce pays, avec ton papa. Mais je sais qu'ils vont quand même continuer à y réfléchir. Parce que mon papa me l'a dit. C'est toi qui l'aimes. Et lui, il ne ment jamais. Trinidad. Trinidad. Trinidad, je sais bien que tu es fâchée contre moi. Je t'ai tout expliqué et réexpliqué maintenant. Ça suffit, ça suffit. Mais une chose est certaine. On est tous les deux ensemble dans l'affaire du restaurant. Et qu'on soit fâchés ou pas, il n'y a que ça qui peut ramener de l'argent à la maison. D'accord, mais je ne veux pas non plus que tu me fasses une crise à cause de ça. Ça me met mal à l'aise, genre de Dieu, et tu le sais. Et comment tu crois que je me sens, Trinidad ? Hein ? Je me sens coupable pour tout ce que je fais ou ce que je dis parce que tu me le fais sentir. Oh, ça suffit. Commencez pas à vous disputer, il est encore trop tôt. Ceci dit, Jean de Dieu a raison, Trinidad. Il faut gagner des sous et arrêter les bla bla bla. En plus, il y a une belle femme qui pourrait aller chanter. Quoi, vous n'êtes pas encore parti ? Oh, mais c'est pas vrai, on s'en sort plus avec tous ces cartons, toutes ces affaires. Mais part. Moi ? Non, papa. Là, tu te plantes. Cette jolie fille devant toi a trouvé du boulot dans une entreprise très importante. Alors ? C'est vrai ? Ouais. C'est bien ! Alors tu peux tout de suite oublier des trucs du genre nettoyer les escaliers et nanani nanana au restaurant. Oh. Ma fille, je te félicite. Je te félicite. Trinidad. Bravo, maman. Tu vois ? Merci, tu vois ? Mon amour. Les choses commencent à s'arranger. Allez, reprends confiance et arrêtons nos querelles. Donne-moi une petite chance, même une toute petite. Mon Dieu, je ne sais pas ce qui est pire. Si ce sont les crises ou les pleurnicheries. Allez, vas-y, faut bouger les hanches, Valentina. Allez, on va lui montrer. Et taquiti taqui taqui. Et taquiti taqui taqui. Et taquiti taqui taqui. Ah ah, je savais bien qu'il y avait ici un groupe de danse. Bon, mais maintenant, on va tous aller manger. Oui, exactement. Allez, tout le monde, on y va. On va à la cuisine pour faire griller ces jolies petites fesses, là. Ah, félicité. Écoutez, prenez les enfants avec vous parce qu'ils doivent manger, mais moi, j'ai pas très faim. Laissez-moi vous dire une chose, Madame Isabelle, et vous m'excuserez, mais vous devez vous nourrir parce que vous êtes tellement fine que vous allez vous casser. On y va. 1, 2, 3, 4. Oui, Valentina. Ton papa m'aime. Et je l'aime. Mais c'est trop tard. Oh non. Non, 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 non. Un instant, Barbarita Blanco. Un instant. Faut arrêter de pleurnicher comme ça, ma vieille. Tu vas être toute sèche à force de pleurer. Oui. Bon, comme disait maman, il faut aller de l'avant. Elle est si gentille. Elle me manque beaucoup. Je peux y aller ? J'ai envie d'être avec eux. Ah, grand-mère, éclaire-moi. Je peux y aller. Et le piment qui était dans un bol, il faut pas que vous l'oubliez. Il doit être dans le frigo. Non, je l'ai sorti. Et Grégory l'a poux. Moi, je sais pas ce que j'ai une sauce et un autre truc. Ah. Tu parles du bol blanc ? Le bol blanc, il est dans le carton. Allons-y. C'est le piment, t'es sûr ? Oui, c'est bon. Allez, on y va. Oh non, 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 non. Jean de Dieu, va voir qui c'est et dis-lui de revenir. J'arrive. Qu'est-ce qui frappe comme ça ? Où est-ce que vous allez ? Hein ? Toi ? Qu'est-ce que tu fais là ? Tu n'as pas le droit de mettre le pied dans cette maison ! Bonjour. Bonjour, police. Bien sûr que je peux entrer. Parce qu'on a réouvert le dossier de Barbarita Blanco Guaramato accusée de l'homicide de mon père. Et j'ai un mandat de perquisition.
Raimondo, c'est génial que tu sois déjà rentré. Comment te sens-tu? Ma charmante belle-sœur. Eh bien, disons que la mauvaise herbe est éternelle, pas vrai? Et cela dit, puisque tu veux savoir, j'ai encore mal. Mais ce coup sur la tête m'a remis les idées en place. C'était pareil avant, quand je me disputais avec Miguel, mais c'est fini. Et le dicton qui dit que le mariage, ça te change la vie, je vous assure qu'il est vrai. Je suis un homme neuf, prêt à reprendre ma place auprès de ma belle petite épouse. Et ce coup sur la tête, eh bien, il m'a sacrément remis les idées en place. Non, Ray, c'est encore un peu tôt parce que... Eh bien, il faut respecter les ordres de Madame Bernarda, pas vrai? Elle m'a dit qu'il fallait dormir dans la chambre d'amis. Je te rappelle que tu nous as fait très peur, Raimundo. Et toi, tu recommences déjà. Franchement, tu ne respectes rien. Allez, va dans ta chambre. Allez. Allez. Je t'attends. Mon frère. Isabelle, Isabelle, attends. Tu vas à Colossal? Attends, je te dépose. Non. Je ne vais pas à Colossal. Et tu vas où? Nulle part, je veux juste sortir. J'ai envie de prendre l'air. Non. Parce que tu vas avoir le temps de prendre l'air dans la voiture en allant à Colossal. On a un contrat très important à relire pour que Monsieur Gaëtan donne son feu vert. C'est dommage, Isabelle, mais le devoir n'attend pas. C'est comme ça, les relations de travail. Attends-moi, j'arrive. Oh. Mais si, moi je veux aller voir ma famille. Je veux être avec ma famille. Oh. Personne n'entre ici! Et tu t'en vas avec tes policiers ou je me fâche! Écoutez, monsieur, gardez votre calme, parce que sinon je vais devoir vous arrêter pour obstruction à la justice. Et vous avez intérêt à coopérer parce que j'ai un mandat de perquisition. Faites voir. Justice, justice! Écoutez, monsieur, vous pouvez venir avec autant de mandats que vous voulez, mais vous n'avez aucune raison et aucun droit de nous ennuyer comme ça, comme vous le faites! Mais qu'est-ce que tu veux, Wilfried? Pourquoi tu ne te résignes pas à la mort de ton père? Il faut que tu accuses encore ma fille, mais jusqu'à quand? Jusqu'à ce que Barbarita paye pour ce qu'elle a fait! Mais enfin... Allez, on y va. Ella! Où allez-vous? Une minute! Ella, alors c'est de l'abus! Je vais aller vous dénoncer à la justice! Je suis sûr que cette ordure paie ces types! Vous deux, sortez d'ici! Sortez d'ici ou je vais vous chercher! Allez, venez! Jean de Dieu, calme-toi! Viens là, s'il te plaît! Qu'ils cherchent, qu'ils fouillent! De toute façon, ils ne trouveront rien parce qu'il n'y a rien! Quoi? Negra blanca, blanca negra, pero siempre consentida! Como fuego que se mete por las venas, es agua pura que me corre por la piel. Es como ver nacer una galaxia entera, ella estalla en mil colores, hay mil fuegos en su piel. Es la fusión perfecta y justa de mi tierra, ella es la unión entre el amor y el desamor. Él es el amor que le faltaba a mi cadena. Ella puede con mi vida ser.